Le 13 avril. On est le 13 avril. On peut dire qu'on est à peu près mi-avril. Oui. Donc j'ai vu ça sur Hugo Décrypte. Les Français peuvent s'attendre à un retour à une vie plus normale mi-avril, a déclaré le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Il espère que notamment les lieux qui font notre vie sociale, comme les restaurants et les cinémas, pourront rouvrir d'ici 6 semaines. Voilà, ils ont mis ça le 3 mars. Là, on est mi-avril. Qu'en est-il? Je ne sais pas. Bah moi, je trouve ça audacieux, en fait. C'est con, plus qu'audacieux. Manche, manche, cravate, lunettes, 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 double lunettes, 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 McBad News. Cette semaine, un Bad News vous est présenté par... Le grand jeu concours exceptionnel du 1er avril de Bad News. Tentez de gagner un an d'abonnement à Bad News et de recevoir gratuitement chaque mardi un nouvel épisode directement sur YouTube. Pour jouer, c'est un chèque en blanc à l'ordre de une case en moins ainsi qu'une autorisation de prélèvement bancaire afin de pouvoir être tiré au sort et pouvoir gagner le gros lot. 100% gagnant! Ne vous embêtez pas à lire les conditions et les astérisques et jouez immédiatement. Les 100 premiers participants auront la chance de recevoir en plus un échantillon exceptionnel de cheveux de Davy Mourier. Ce jeu est garanti. Merci beaucoup Ariel. Toujours là celui-là. Ah oui. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounettes, c'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité, croyez-moi. On est une belle brochette de cons. Je vous rappelle que Bad News est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Je l'ai pas mal fait là. C'est... On commence tout de suite avec En Bref. Alors prépare-toi, parce que dans cette émission, on y est là. On y est. Il n'y a que lui quasiment. En Bref 2. Vivian. Les voisins vont venir un jour. Exactement. Actuellement, couvre-feu, ouais. Covid, ouais. Cinéma fermé, etc. Mais aussi, piste de ski. Ouais. Putain, j'ai pas dit. Ouais. C'est une spéciale mort aujourd'hui, Thomas. D'accord, ouais. Les stations de ski sont fermées. Il y a le collectif Madco qui se sont dit, et si on profitait de ces pistes fermées pour faire un truc rigolo? Ils ont tourné un court-métrage, ou un truc de western, où t'as un cow-boy qui a tué quelqu'un et qui embarque un cercueil pour l'enterrer. Et regarde la vidéo que je t'ai envoyée, Thomas. C'est sur la pub? Non, j'ai un cercueil qui glisse dans la neige. C'est bien produit. Donc il s'est fait un bobsleigh, un bob cercueil, un bob cercueil, et en même temps il y a des skis dessous, et il kiffe de dingue. Il s'est fait une casse à savon de la neige en fait. Exactement. Voilà, c'était juste pour voir ça. Voilà, c'est pour commencer avec de la mort, mais de la mort rigolote. La mort rigolote, pas mal. C'est le moment de la pub de Rob. En 2020. La Covid-19 touche le monde entier. Aujourd'hui, le virus a muté et se propage toujours. En France, il y a le variant breton. Et les autres dans tout ça. Ce n'est pas juste. Toi aussi, tu veux un variant dans ta région? C'est désormais possible. Grâce au coronavirus, Super Labo! Crée tes propres variants pour contaminer un maximum d'habitants. Un jeu en Q-Science. Merci beaucoup, Rob! En bref, deux. Oh, je vais faire un truc, attends, je vais reprendre mon Vivian où j'ai crié tout à l'heure. Ouais. Et je vais faire une Bad News de... Vivian! Maintenant, remets ça, mais sans le son. L'éboulement n'a fait aucun mort ni aucun blessé dans cette petite ville à proximité de Gênes en Italie. Ouf, ouf. Sauf que... ça a tout déglingué. Bon, mais c'était au bord de l'eau. Bon. Ouais. Et c'était un truc en terre au bord de l'eau. C'était le cimetière, quoi. Ouais. Et donc, il y a eu des centaines de cercueils qui flottaient. 200 cercueils et la chapelle étaient dans l'eau. Ah, parce que ça a pris le cimetière, quoi. C'est le cimetière qui a été effondré dans l'eau. Et en fait, voilà, on voit des plongeurs
au milieu des cercueils, quoi. Rendez-vous ce soir sur Twitch à 21h ! Bah attends, mais Davy, tu fais des trucs tous les mardis soirs à 21h sur Twitch, en fait. On dirait. En bref, de... Vivian ! C'est de l'actu pas très actuelle, puisque cette bad news date du 12 décembre 1839. Ça se passe à Romainville. Je vais te la lire, parce que c'est une bad news relatée, tirée d'un journal de l'époque. Ah ouais. Donc écrite comme à l'époque. Ah, chambé. Un bûcheron que l'on avait chargé d'abattre une partie du bois sur laquelle on va faire de nouvelles constructions achevait de couper un arbre fort élevé. Lorsque sa femme survint pour l'avertir que quelqu'un le demandait et lui répondit qu'il allait la suivre, mais qu'avant il fallait finir de couper l'arbre, auquel il n'avait plus que quelques coups à cogner à donner. Ah, quelques coups de cogner à donner. En même temps, il dit à sa femme de se retirer et de prendre garde. La malheureuse ne tint pas compte de cette injonction. Elle se rapprocha, au contraire, et l'arbre tombant sur elle, en ce moment, l'atteignit à la tempe et la renversa par terre, morte sur le coup. Le maire et les médecins de la commune ont immédiatement constaté le décès, tandis que le pauvre bûcheron, auteur involontaire de ce malheur, se livrait au plus touchant désespoir. Donc c'est extrêmement triste d'une part. Eh bien, écoute, moi en tout cas, je sais que dans ma région, quand j'étais adolescent, il y a un monsieur qui habitait près de mon collège qui a dit à sa femme « Je vais aller couper du bois en forêt, c'était l'hiver, il était avec une tronçonneuse, l'arbre était trop fort et il s'est coupé la tête. » Ça fait pouf. Ouais, retour de truc. Non, mais par contre, c'est impressionnant le soin qui est apporté à l'écriture de l'article, alors que ouais, aujourd'hui, c'est du flux, quoi. Oui, je suis d'accord. On passe à « En bref » de Vivian. Vivian ! Ça, c'est très récent. Et ça se passe à la Tour du Pin. Ça me fait marrer parce que j'avais de la famille à la Tour du Pin. En fait, c'est samedi soir dernier, donc c'était en mars. Hein. C'est un petit immeuble dans la Tour du Pin. Et il y a 3 hommes qui ont bu beaucoup d'alcool. Mm-hmm. Vraiment, ils sont là. Tu regardes Top Chef ? Moi, je suis pour les violets. Oh, pas moi ! Ils sont nuls, les violets. Moi, les chevesses, s'il te plaît. On comprend plus, ils sont alcoolisés. Ouais. En tout cas, à un moment, il y en a un qui dit « Moi, de toute façon, je suis vegan. » Ouais. Là, les deux autres pètent des plombs et le tuent. Ah d'accord, ok. Bon, c'est pas vrai. C'est pas parce qu'il y a des vegans qui l'ont tué. Ils se sont engueulés, ils étaient bourrés et il s'est juste pris 37 coups de couteau. Oh, c'était pour attendrir la viande, je pense, pour pouvoir faire un bon Top Chef. Et ensuite, ils ont emballé la victime dans un film plastique. Et les deux mecs se disent « Qu'est-ce qu'on fait du corps ?» Il est 22h. Moi, j'ai une idée. On devrait le couper en morceaux pour pouvoir se débarrasser du corps. Ok. T'as une scie, toi ? Non ? Je crois que mon voisin en a une. Dis-moi, t'as une scie, faut qu'on se coupe aujourd'hui ? Oui. Et là, il a fait... Non, j'en ai plus. Oh ! Il s'en va. Et là, le mec, il fait... Allô, la police ? Il y a mon voisin, il m'a demandé une scie pour découper un cadavre. Ouais. Et les flics les ont arrêtés. Très rapidement. Très rapidement. Là, l'enquête a été résolue à une vitesse. On passe tout de suite à la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour maître. Dans la Bad News 113, à 7 minutes, Davy parle de pro-mec. Beaucoup de gens qui sont... pro-mec, j'ai envie de dire. Quel est l'opposé du féminisme ? Certains parlent d'antiféminisme, mouvement cherchant à contrer l'émancipation des femmes. D'autres évoquent le masculinisme, carrément, qui affirme que le féminisme est allé trop loin et que les hommes sont en crise à cause de la prise de pouvoir des femmes et même en déclin. Alors on imagine bien les femmes, hein, comme dans Matrix, où on serait tous parqués, maintenus en vie uniquement pour notre sein de semence, seule chose que les femmes n'arriveraient pas à produire elles-mêmes. On nous donnerait des compléments alimentaires pour produire plus, on veillerait à ce qu'on fasse de l'exercice en plein air, qu'on se dépense bien, qu'on dorme bien, qu'on mange bien, et à 11h, paf ! La traite. Tous les jours. Alors, il y aurait des petits manèges, là, comme à Villetin, tu rentrerais, tu serais plein, tu ferais le tour, et tu ressors, c'est bon. Pour optimiser, pour le rendement. Projection chimérique qui me fait poser la question, et pourquoi pas ? Imaginez, messieurs, pas d'impôts, pas de travail, pas de métro, ou d'embouteillage, pas de repas de Noël avec la belle famille, et puis, bah, tous ces trains à regarder passer. Non, non, en 2022, voter Arlette Laguiller. Mais bon, c'est pas demain la veille. On en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd. Au revoir les badounettes. Au revoir maître. Merci beaucoup Sylvain. C'est le moment de la photo racoleuse uniquement ici pour faire une belle vignette YouTube.
Donc c'est un sanglier qui est pris dans la glace. C'est un renard. Ah, un renard. Tu vois, il y a la queue. Ah oui, ça le, ouais, mais ça l'agrandit parce que ça fait loupe un peu. Mais... Ce renard est tombé dans le Danube et a été retrouvé congelé. Picard annonce que du renard arrive dans les rayons le mois prochain. Il y a une vraie news et une fake news. À vous de voir. Vous choisissez. Voilà. Et on passe tout de suite à en bref de. Une fillette âgée de 2 ans. Ouais. Joue sur le balcon. Ouais. Au 12e étage. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ouais, ouais. Et la petite fille passe par en dessus le balcon et s'accroche au balcon, comme ça, au-dessus du vide, au 12e étage. Et là, il y a un mec qui la voit et qui fait waouh et regarde la vidéo. Il a entendu les cris. Il a complètement raté. Ouais, mais en fait, elle a rebondi et tout va bien. Elle est impressionnante, la vidéo. C'est hyper impressionnante. 12 étages. Hein. Elle a rien eu ? Elle a rien eu. 12 étages. Parce que c'est tout mou, ces machins aussi, là, ce petit gamin de 2 ans. Là, ouais. Lui, par contre, il s'est retrouvé à l'hosto parce que en essayant de monter, il s'est fracturé ou il s'est fait une entorse. Ouais, entorse plutôt parce que là, je le vois marcher avec la gamine dans les bras. Ouais. Il sait pas trop comment descendre, mais putain ! Dingo, hein ? Mais, putain, les enfants, mais on peut pas vous laisser 2 secondes tout seul, quoi. Merde. En bref, de Davy, trouvé sur Le Figaro. En bref. Les pompes funèbres ont enchaîné les bourdes pour l'enterrement d'un homme début juillet dans la région de Nancy. La chambre funéraire non climatisée était en plein soleil et la table réfrigérée ne fonctionnait pas. Parce que sous les corps des morts, il y a une table réfrigérée. La canicule... À Séville, le thermomètre à l'intérieur du centre de pompes funèbres était à 35 degrés pendant la veillée funéraire. La famille est obligée d'apporter elle-même un ventilateur devant l'attentisme de l'entreprise, ainsi que des bougies et du désodorisant à cause de l'odeur. Puisque les mouches ont envahi la salle et le défunt était déjà en train de pourrir. Le corps se dégradait et les vêtements se souillaient de fluide corporel. Genre en temps réel, on voyait le truc là. En gros, c'est ça, ouais. Ils ont porté plainte. Voilà, ils ont même appelé le thanatopracteur pour qu'il revienne pour changer le corps mort. C'est-à-dire qu'ils lui ont mis un autre costume parce que il était tout souillé et tout, quoi. C'est le retour du point sur Ulule. On en est où ? Ah bah alors. Est-ce qu'on a fait au moins 200 %? Eh bah, regardons. On va faire très court, voici un extrait du premier euro mis pour le 1 euro qu'on a demandé sur le Ulule. Oui ! 100 %! Merci beaucoup à toi le premier contributeur ! Voilà, et maintenant nous sommes à 182 300 %. 182 300 %. Et je vous rappelle que, en vrai... Le Ulule est à 2 000 €. Donc si vous voulez un Fraggle Spiel en plus où les gens qui ont donné sur Ulule peuvent participer, seront tirés au sort, eh ben faut atteindre les 2 000 € avant la fin du compte à rebours qui est de 17 jours. Donc on reprend le cours de Bad News. Alors, Guillaume Bailly est un croque-mort un peu célèbre parce qu'il a sorti un livre sur ses histoires de croque-mort. J'ai rencontré ce monsieur lorsque je dédicassais à la petite mort. Oh. Il a publié un livre qui s'appelle « Mes sincères condoléances » et dedans il explique, il dit « Un jour, je me rappelle être très gêné la fois où j'ai failli embarquer une vieille dame vivante. Ah. On l'a appelé pour un corps mort, il est arrivé dans la maison et dans le lit, il y avait une vieille dame toute pâle qui bougeait plus. Et donc, il a commencé à se préparer à embarquer ce corps pour l'emmener à la morgue. Et là, ils lui ont fait « Non, non, c'est son mari qui est à côté !» Parce qu'elle dormait, elle faisait quoi ? Ouais, elle dormait. Trop tôt ! Trop tôt ! Calme-toi, oula, bijou ! C'est lui, là-bas ! Toujours trouvé dans le Figaro, une entreprise funéraire s'est dit « Mais comment faire pour que les gens viennent plus chez nous que chez une autre ?» Eh oui ! Pourquoi enterrer chez nous et pas chez le voisin ? Parce qu'ils offrent un week-end en thalassothérapie à leurs clients pour décompresser du deuil. Putain, c'est extrêmement cher, du coup, comment ils goupillent ça ? C'est plus cher chez eux ? Écoute, je sais pas, mais en tout cas, ça se passe dans le Morbihan, donc si vous connaissez cette maison, dites-moi si ça fonctionne. Bah, franchement ? Ah ouais, toi, tu prends la thalassothérapie offerte ? Après l'enterrement de mémé, tu vois, c'est un peu lourd quand même, il y a un petit massage et tout. En tout cas, si c'est dans le Morbihan, tu peux avoir une thalasso offerte. On passe tout de suite à la bad news de... Bah, de... La news du jour.
Ça se passe en Chine. Alors, je vais très mal dire cette ville, hein, je suis désolé. Ouais. Qianjiang, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a disparu. D'accord ? Cette Chinoise, à 14 ans, a disparu. Sa famille l'a cherchée partout, on a pensé à un enlèvement, le fait qu'elle ait été tuée, violée, utilisée pour la prostitution, etc., etc., etc. La mère a dit qu'elle ne changerait jamais de numéro de téléphone en étant persuadée qu'un jour, elle retrouverait sa fille. Ouais. Et la police l'a retrouvée vivante. Attends, combien de temps après, du coup ? 10 ans après. Elle avait 24 ans. Ouais. Elle a été retrouvée vivante dans un cybercafé où elle y vivait depuis 10 ans. J'explique. Elle a quitté le domicile de ses parents parce qu'elle se faisait... Bon, elle s'engueulait tout le temps avec ses parents, mais en partie aussi parce qu'elle jouait tout le temps à un jeu qui s'appelle Crossfire. Ok. Elle jouait tout le temps au jeu Crossfire. Elle a fugué et a commencé à vivre dans des cybercafés pour jouer à Crossfire. Et elle a joué à Crossfire pendant 10 ans, jusqu'au moment où la police l'a arrêtée. Très fâchée, elle n'a plus donné de nouvelles à ses parents depuis sa disparition, au point que certains de ses proches ont pensé qu'elle était décédée. Mais le 20 novembre, au petit matin, la police effectuant un banal contrôle d'identité dans un cybercafé de Qianjiang, a retrouvé par hasard cette fille qui s'appelle Xiao, en possession d'une fausse carte d'identité. Elle a refusé d'être contrôlée, parce qu'elle ne voulait pas revoir ses parents. Elle a été emmenée au poste de police, et là, elle a tout avoué. Elle a alors raconté qu'elle a passé 10 ans à jouer à Crossfire en ligne dans plusieurs cybercafés où elle dormait. Puisque les cybercafés, je pense, ne ferment pas. Voilà, donc elle se mettait à une place et elle dormait. Voilà. Elle a aussi fréquenté des bains publics pour se laver. Pour vivre, elle a fait l'aumône auprès de plusieurs gérants de cybercafés et travaillé en tant que serveuse. Et ses grands-parents l'auraient également donné un petit peu d'argent pour qu'elle survive. Ah, les grands-parents étaient au courant Il semblerait. Cette jeune fille a eu une amende de 148 euros pour avoir opposé une opposition à la police. Ah oui, l'amende de « je refuse de me faire contrôler » quand même, ouais. Moi je dis, franchement, c'est bien les jeux vidéo. Hein. Ouais, ouais. Mais vivre 10 ans dans des cybercafés... Pour jouer à un seul jeu ? Attends, il y a Bowser Fury, super, hein. Ouais, il est bien, hein. Il y a Tipeee, il y a des t-shirts, il y a Bad News en t-shirt, voilà. Il y a des dessins aussi sur lesdessinateurs.com et il y a le Ulule. Bisous.